moi je vous remercie d'être venu tôt le matin pour venir vraiment soutenir vos jeunes frères. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager personnellement. Comme je vous ai toujours dit, vous aurez toujours mon soutien. Il y a un message que j'aimerais bien lancer à tous les internautes qui se retrouvent dans les quatre coins de la planète quand ils se consolent devant leur ordinateur pour écrire n'importe quoi. Dans la société où on vit, quand on est un homme, on n'adhère pas à un système. On y impose plutôt la rigueur et la vigueur de sa seule conviction. Et moi, ma conviction, c'est de combattre les antivaleurs pour que notre sport aille de l'avant. Merci. Oui. Mais Prince, je profite comme vous êtes là. J'ai filmé ici presque la majorité des pros qui ont été convoqués, des gens de Belgique. Mais Biscotte, il est où? Biscotte, il est déjà dedans, là, il transit. Il a pris son avion à partir de Genève, il est déjà là-dedans. Et Erita Ilunga va prendre son avion demain. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre la main sur... on n'arrive pas à joindre Kinkela. C'est ça un peu le petit couac. Mais Nonda arrive jeudi. Je l'ai eu avant-hier au téléphone. Il devrait d'abord finaliser quelques histoires professionnelles. Mais il arrive à Kin sans faute jeudi. Parce qu'il devrait d'abord finaliser... de ses transferts. Il arrive jeudi et loin, il quitte déjà aujourd'hui Athènes, Londres et Londres pour Kinshasa. Donc il arrive à Kinshasa mercredi matin. Donc grosso modo, c'est un peu ça. Et je crois Ilongo aussi il va transiter avec Ethiopia Airlines. Et vous moi je prends l'avion demain. Nécessairement on doit aller demain et vous savez il faut vraiment qu'on prenne un peu plus de précautions parce qu'il y a une chose, j'aimerais bien le dire à l'Ingala, et à Libyen, dans une habitude il y a recorrompre facilement toujours qui est déjà à disposition pour les matin et la plupart à bateau va corrompre, ce sont que nos frères congolais donc mon joueur va vous aller dans la carte interne dans l'hôtel, ils a très bien surveillé que même membre de famille a recontacté, donc on laisse le joueur se concentrer jusqu'au samedi, après le match avant samedi, la bande, on a un programme sur la pression déjà habillé, bah, joueur tout. Bah, on a lundi, tout le monde prend l'avion pour rentrer dans le club. C'est un peu, on essaie un peu d'apporter un peu plus. Vous savez, même dans l'éthique, il y a FIFA, on a demandé à ce que quand on est agent, on doit apporter un plus aussi, on doit aider le pays. C'est pas être agent seulement, faire signer le contrat, mettre de l'argent et puis on dit non. Il faut aider aussi le pays. Et moi, j'essaie aussi d'apporter un petit plus, c'est-à-dire si il y a un petit couac au niveau de la fédération, pourquoi ne pas les aider? Et je peux vous garantir que non, je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de choses bientôt, que ça soit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et on va voir une nouvelle formule de Léopard à la CAN 2008. Sur tout le plan, j'ai dit bien sur tout le plan. Mais sincèrement, M. Tupac, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites pour ce pays. Vraiment, vous êtes vraiment un patriote. Et on va voir dans la mesure où il y a des choses qu'on peut parler devant le caméra. Mais sincèrement, vous avez mon soutien pour tout ce que vous faites. Et en tout cas, continuez sur cette voie. Et vous et Sébastien Guissakou, tous ces gens que je connais. Et à bas les insultes, vive le Congo. Merci.